Bon, je vais Minecraft, ici c'est LB35 pour le 5e, oui, 5 épisode de MC4Play. Aujourd'hui, on est avec Tinjoff qui un jour ne sera plus que Joff, c'est-à-dire Nogard. Car oui, il s'apprête à avoir un compte premium pour lui tout seul parce qu'il le partage avec sa deuxième personnalité. Le pauvre Tinjoff ne sera bientôt plus qu'une seule personne. Il faudra un petit temps d'adaptation, mais vous vous adapterez, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, donc, on active ou pas le hard mode? Hein? On active ou pas le hard mode? Allons-y, allez, YOLO. Donc aujourd'hui, bon, bah, activé. Hard mode. On se retrouve sur un map qui s'appelle Sunburn. Sunburn. C'est une map de style TNT Run pendant que Tinjoff triture son micro. Mais en vachement plus classe et avec des commandes blocs que même moi je serais pas capable de tout faire, mais qui m'inspire quand même beaucoup. Cette map est juste vachement bien foutue. Tu es là, Tinjoff? Oui. Alors allons-y. Vous allez bien comprendre au fur et à mesure, il y a des power-up qu'on a en punchant les blazes, qui sont positifs ou négatifs. On a fait 4 parties, j'ai gagné 4 parties, donc ça va. Donc comme vous voyez, le sol se dégage. On a les pieds très chauds, donc le sol brûle. Comme on peut le voir ici. Je fais en marche arrière. Défi, marche arrière. Et si on marche sur le rouge, et ben on se casse la gueule. Vu que ça passe jaune, orange, rouge en fait. On peut passer. Oups. Je me suis retourné. Bah non. on peut pas. J'aurais dû rester en marche. Oh putain. On est vraiment nul aujourd'hui. Si, mais ça dépend. On est absolument nul. Ouais, bah moi je fais tout en marche arrière aussi. Il y en a qui jouent en marche arrière, mais c'est complètement con de jouer en marche arrière. Oui, je suis en marche arrière. Ça se fait pas. Ouais, mais c'est pas drôle. On fera une deuxième partie, tu joueras correctement. Et moi aussi, par conséquent. Bah non, plutôt par cause en fait. Oh putain! Oh shit! Bon bah c'est perdu! Regarde-moi! C'est le gars de Tinjoff! Eh bouge pas! Oh enfoiré! Oui, on recommence! J'ai pas pu mettre le 4 pendant longtemps! Pas grave! Oh shit, shit. Tu joues bien, hein? Oui. Manque pas 9-5. Hihihi, je suis un catégorie. Bah arrête, ça va nous faire tomber un éclair sur la gueule. Ouais, parce que des éclairs peuvent tomber aussi. Hein. Et enlever d'un niveau toutes les couches de clay. Oui, non, ça ne les enlève pas d'un niveau, ça les passe plutôt orange. Ah non, ça les passe juste orange. Jeune. Get the bad power up of Silent Fall, mais enfoiré! Je crois qu'en fait en hard mode il y a que des bad power up. Non, je pense que les bad power up sont encore plus fourbes. Non mais parce que là je veux dire ça me fait tomber d'un niveau, mais genre ça fait la commande tp exécute tp un bloc en dessous quoi. C'est vraiment des enfoirés complets quoi. Là c'est vrai que c'est mort quoi. En gros, c'est un B, c'était une couche en dessous. Allez, voilà. Oh, ça c'est. Tous les blancs deviennent jaunes. Et tous les jaunes deviennent orange, et tout ce qui est orange devient rouge. Ouais, parce que. Je précise, parce que la première, on aurait pu considérer ça comme une blague à moitié raciste. Mais. C'est génial, mais c'est pas très efficace quand même. J'ai fait un burning clay, tous les blocs autour de moi sont devenus blancs. Putain, j'étais coincé de toute façon. T'as l'air fou. Quoi, je suis pas du tout en train de stratégie. Non, j'avais oublié un endroit. Non. Crève. C'est toi qui veux crever, oui. Oh, what up. Il a creusé un trou. En fait, les power-up ils brûlent les blocs en tout deux. Putain! Oh putain! Oh, 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 oh. Wow. En fait, ah non, mais en fait c'est, il me kill en préférence en fait. Hein? Il me kill en préférence. Ouais. Allez, on parce qu'à chaque fois qu'on est tous les deux tombés comme ça, c'est moi qui ai été kill, tu t'as marqué. On est tombé comme Yodo. Reset, oui, non! Oh là là! Fait avoir ou pas? Ah non,
Bon, c'est un peu de son, hein. Parce que n'est-ce pas un psychiatre aussi. Triste, sans. Bon, je vais voir, je fais un petit saut sur le côté. Ouais, tu mettrais une musique montage, une musique épique. Ah, et je m'en rappelle pas, mais il y a une petite histoire pour la map. Je pense que les BO de Terraria et Mighty Quest, vachement bien. Il y a une petite histoire pour la map. Je me rappelle plus du tout de ce que c'est. Ouais, il y a une mini histoire, mais bon, c'est pas le genre. Oula, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Non, viens là, le Blaze. Viens là. Voilà, j'espère que ça vient un bad. Fast! J'ai eu un power up cool. J'ai une potion de vitesse. Ouais, bah y'en a un qui est tombé chez toi. Ouais, je sais. Maintenant, je suis fort et fort à l'autre. Prends. Courir pour ma vie. T'as vu. Oh non, Nosea. Nosea, bien joué. J'ai une Nosea. Pas grave, j'ai ma potion de vitesse. Donc. Bon, toi, il y a un éclair, t'es dans la merde. Un éclair, j'ai perdu. Parce que. Putain, pouvoir, je sais pas où il est. Oh putain, il est tombé. Là-bas. Ouais, c'est cool la vitesse. Ouais, sérieux, là. Là, je peux plus rien. Je peux plus faire grand chose. Oh oui. Putain. Merde. J'ai eu l'explosion. Ah ouais. Putain. Le cratère, il est énorme, par contre. Oh. Le cratère de l'explosion, il est énorme. YOLO. Je peux pas l'éviter. C'est tu tombes ou tu sur. Eh. Non, mais... les BO de The Mighty Quest sur Epic Loot et Terraria seraient juste génial. Tu penses pas? Et un power spawn. Moi, je... Peut-être que Oh putain! Qu'est-ce que... Comme ça, je mets power-up off random. Je l'ai pas en tête, donc je sais pas. Mais tu l'as random téléportation, putain, ça m'a ramené là! Quoi? Voilà. Certains... Random... Youpi! Oui, 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 je suis encore là. Game, mais je pense que ce sera la dernière de la vidéo parce que sinon ça va laisser les abonnés. On pourra en faire d'autres après avec un jeu. Enfin, je vais. Voilà. Et donc, juste on en profite aussi pour faire l'annonce du fait que Tinjoff ne sera bientôt plus qu'une seule personne. D'ailleurs, aujourd'hui, sa deuxième personnalité semble s'estomper. Son traumatisme s'arrête. Mathieu Sommet a failli avoir le même problème à la fin de la saison 4 de son émission SLG, mais finalement, non. D'ailleurs, les personnalités les a retrouvées. D'ailleurs, je le précise, on essaiera peut-être de faire une animation pour représenter la séparation. Ouais. On le verra peut-être. On va faire une vidéo vachement classe. Donc, Tinjoff, c'est un petit peu l'ambassadeur des mini-jeux et du build sur notre chaîne. Je suis pas tombé. Meurs. Non, même pas en rêve, moi je fais les contours. Power up. C'est toi qui Est-ce que du bloc data en constance à chaque tick? Oui, c'est ça qui me fait laguer en fait. En fait, ça dépend où je regarde. Quand je regarde la zone où il doit probablement y avoir les commandes blocs, ah, je sens passer. Putain. Aïe. Putain. Tu peux pas essayer de sauter quand il y a un stun sort. Deux fois merci. Dosé, putain. Tu m'as sauvé. Oh là là. Je vais te taper. Oh, c'est bon, là, j'ai rien dit. Je crois que c'est un genre de troisième personnalité ou bien? Non, là c'est juste qu'il y a mon micro et. C'est un genre fait bizarre. Et que, yeah. Mais ça, on le savait déjà. Oui, je suis très bizarre. Vivement que j'ai mon propre Minecraft et mon propre PC. Oh, merde! Oh putain! Yeah!
Mais je suis nul, mais les 4 parties qu'on avait fait avant, je les avais gagnées. C'est fou, ça. Ouais. Allez, je vous montre rapidement la Credit Room. Ceci est la Credit Room. Merci, au revoir. Et avec un petit de règle assez subtil, on peut pas toujours très bien. Qui est juste en dessous, là. Moi, j'ai refait une partie en solo contre la... contre la cloque. Non. Tu peux aller en spectate si tu veux pour voir vite fait ce que je fais. Allez, vas-y. C'est la même chose. C'est passionnant. Donc je vous remercie du visionnage, on fera une annonce pour le retrait de Tinjoff de la team pour y ajouter nos gardes. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage, je suis MC Kaplan, n'hésitez pas à nous proposer des... Non, Tinjoff fera toujours partie de la team. Tinjoff fera toujours partie. Et Tinjoff, il y aura nos gardes et Tinjoff. Mais Tinjoff ne sera plus qu'une personnalité et nos gardes aussi. Et Tinjoff sera la deuxième personnalité. Celle que Minecraft adore d'ailleurs, petite dédicace à Minecraft, hein, pour son activité dans les commentaires. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et j'arrête de m'éterniser parce que je m'éternise beaucoup trop. Et je vous dis au revoir, c'était CAB. Et moi j'en fais encore une.